Et bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour un autre épisode du Junglathlon. Voilà, j'arrive pas bien à le prononcer, mais c'est assez chaud comme nom. Donc comme vous me l'avez demandé, j'ai changé le nom de la série pour éviter toutes sortes de plagiat ou quoi, alors qu'à la base, enfin, c'était pas du tout dans ce sens-là qu'il fallait prendre, mais bon voilà. Je rappelle avant que la vidéo commence que ce n'est pas un guide, c'est juste que ben voilà, c'est juste un challenge en fait de réussir à jouer tous les personnages du jeu en jungle. Donc là aujourd'hui c'est Akali, donc avec mon petit skin lune de sang. Ça va faire plaisir parce que je viens de la tester juste contre des bots pour voir si ça se passait comment pour farmer et tout ça. Et c'est complètement OP. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de rusher le niveau 6, hein, rester juste en counter gang si c'est possible. Mais c'est pas moi qui vais gank tant que je suis pas niveau 6. Une fois que je suis niveau 6, ça va être énorme, vous allez voir. Donc là, avec mes runes, comme vous avez pu voir, j'ai mis des marques d'attaque. Les quintessences, c'est de la puissance, et les glyphes, c'est de la puissance aussi, et de l'armure en saut. Et ce qu'on va faire, ben, vous allez voir le stuff. On va jouer Bruiser. Je sais pas que si. Enfin, ouais, on va plus jouer Bruiser. Donc, on va se le jouer Lichbane, Voidstaff, Hextech. Enfin, vous allez voir, ça va être pas mal. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec Akali en jungle, vous pouvez faire tellement de stuff différents. Que voilà. Alors, on va partir. La machette et 5 popos, on va aller au raid. Voilà. Va commencer du côté de la bot lane toujours. Pour le pool, c'est beaucoup mieux. En plus, ma petite Akali, lune de sang, elle est bien sympa. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, vous allez voir, la qualité va être vachement meilleure. Parce que je filme en 1080p et je vais essayer de faire le rendu aussi en 1080p si c'est possible. Mais bon voilà. Et au niveau des maîtrises, c'est les mêmes que avec ah non, c'est pas les mêmes qu'avec Harry, j'ai rien dit. Non, c'est des bêtes maîtrises AP à 21.9. Quoique non, je crois que je joue en 23.7 là. J'ai mis un peu plus de points en peiné. Vous pouvez voir ce que je me retrouve là avec 6%, 6%, 5% de réduit cooldown avec les maîtrises. Enfin bon, voilà, vous allez voir ce que ça va faire. Ça va être franchement pas mal. Allez, on va redescendre ici. Histoire de se faire bien un pool, donc ça va aller hyper vite. Et heureusement, enfin malheureusement plutôt, aujourd'hui je suis tout seul. Et par contre j'ai mis la webcam, ça vous allez voir la différence. Vous allez pouvoir voir ma tête quand je joue. Voilà, ça clean très vite, surtout qu'on a pas mal de spell vamp avec le passif, donc ça c'est sympa. Donc on peut clean assez rapidement. On va aller au loup. La Luc s'appelle Tech Tech. Je vais juste poser ma ward ici. Bon, si jamais il y a un petit gueudin qui veut essayer de me le steal. Voilà, vous voyez, ça clean très bien, hein. Et ça a pas mal de sustain, donc c'est vraiment viable comme perso. On prend une deuxième popo. Voilà, on passe niveau 3. Allez, proc et la marque. On va essayer d'aller gank au mid. Donc on a le double buff et on va en profiter.
J'ai un petit œuf histoire de se régène. Oh le le truc qui flashine, mais il est fou. Quoique je pourrais le faire aussi là. J'ai hésité, je vous l'avoue. Parce que la luxe. Ah oh, non. Tant pis, on va farmer comme je vous l'ai dit. La bot lane est safe, donc ça c'est bien. Voilà, oh, on va counter gank. Ah oh, putain, la Lux, il y a tellement moyen de la tuer. Ok. On va maxer le A en premier. Hein. De ce que j'ai pu voir avant, c'est franchement pas mal. On va l'aider le Kassa. Il a back. On va essayer d'aller choper dans sa jungle s'il y a moyen. Ou alors on va limite counter jungle. Et ben voilà, on prend le kill. Il me semblait bien qu'il était par ici. Eh bien saloperie. On va essayer. Oh putain, il y a la luxe. Allez, on récupère les cooldowns. Oh putain, non, j'ai pas vu le drain. Aïe 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 la connerie. Donc on va rush le pistolet mextech histoire d'avoir un sustain de malade mental et après ça va être vraiment tranquille dans la jungle. Et puis on partira sur des bottes de peiné et comment? Et des bottes. Enfin non, des bottes de peiné et un esprit de l'ancien golem. Donc là c'est un peu le bordel à la bot lane. Il y a un peu de farm au mid. Je suis déjà niveau 5, donc ça c'est pas trop mal. Oh le talon, il est en train de se feed sur le Renek. Voilà, on fait proc la marque. On va rester dans les parages histoire de prendre le raid quand il repop. Puisque j'ai commencé à 1 minute 55, donc vers 7 minutes, 7 minutes 20, il devrait être là. Et oui, ça va, il est là. On a combien de spell vent bonus? Voilà, on a notre niveau 6. On va pouvoir commencer à ganker comme un tarde. Je vais aller là-bas. La luxe, elle est à moi. Voilà. J'ai un peu fail mon flash. Oh putain, genre, j'étais dans la truie. Oh là 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 là, la couille. Qu'est-ce que j'ai foutu? Allez, 40 gold, s'il vous plaît. Ah oh là là, j'ai tellement fait le con. Allez, on va attendre les 15 gold.
Puis après, on va aller au bleu pour le donner à Kassa. Donc j'hésite à faire d'abord les bottes ou bien d'abord un petit esprit de l'ancien golem histoire de tanker un minimum. Après on ira gank le talon. Faut que je vais aller gank le talon. Non, c'est bon. Oh, merde! Quel con! Oh putain, je lui ai piqué le bleu. J'étais persuadé d'avoir cliqué sur le petit mob. Donc on a combien de spell vent? 21%. Donc voilà, on est assez capé à ce niveau-là. C'est pas trop mal. J'ai un petit peu plus de réduit cooldown, c'est vraiment pas mal. Puis on va se mettre à ganker. Genre là, la luxe, on va aller. Voilà, ça c'est fait. Y a personne qui a avancé, j'irai bien sur le fiddle, mais le fear ça peut tellement me mettre au fond que. Voilà. Oh, il se fait tellement camper. Le pauvre Ennek, quoi. On va essayer d'aller récupérer le kill sur le talon. À moins qu'on essaye de choper Lee Sin dans la jungle. Ce qui serait, à ma foi, une bonne idée. Voilà, on monte le E en deuxième, comme d'hab. Voilà. Je sais pas sur qui j'ai pris le deuxième kill par contre. Faudrait que je gank un peu plus à la bot lane. Parce qu'ils ont l'air de souffrir pas mal. J'attends juste que mon ulti. Oh, normalement je devrais avoir les 3 pour quand j'arriverai en dessous. Je vais aller par la lane. Ah putain, le chase il m'a foutu au fond. C'est pas grave. Un peu de spell vent, voilà. On va leur dire de venir Audre. Mais non. Voilà, la Soraka, ça heal pas mal, c'est sympa. Putain, non. Voilà, flash out. Ah putain le Draven! J'ai un peu fait le con! J'ai chié dans la colle comme on dirait. Non, on va essayer de finir le Hextech.
Tout, j'ai assez. Putain, maintenant c'est le free Drake, quoi, avec mes conneries. Dommage. J'ai chié dans la colle. En plus, j'ai gaspillé mon flash pour rien. On va cueillir une petite luxe. Voilà. On va aller faire le raid. Voilà, on prend le raid buff. Y'a talon. C'est bon. Voilà, on clean, on continue. Bon, j'ai pas mal de farm, ça c'est bien. On monte le E. Oh putain, merde. Pourquoi j'ai fait mon E? Au travers des ombres. Voilà. Faire gaffe au Lee Sin parce qu'il va sûrement arriver. Quatre trois trois, ça va. Je suis mort un peu trop de fois, mais c'est pas grave. Je m'en sors pas trop mal, je trouve, pour le moment. On va back avec le Renek. Mais ouais, c'est pour ça qu'on se casse. Game ping, genre. Attention, il y a quelqu'un. Oui, c'est ça, je sais. Oui, je sais. Un petit talon top. Qui fait bien mal au passage. On va retourner au mid. Et puis, je crois que si on prend un kill ou quoi, on aura assez pour finir le Hextech. Voilà, ça c'est bon. On va essayer de prendre la tourelle du mid. Ouais, je sais que ça va arriver. Oh oui. Après, appuie sur A, s'il te plaît. Fais, je suis une fusée. Il y a le fiddle. Avec la botlane, elle push. Bon, ça, la Soraka, c'est bien sympa, n'empêche. Voilà.
Je me casse. Oh, pas mal ça. Allez, il y a trop moyen, j'ai trop envie de foncer dans le tas en plus. Oh putain, je l'ai pas eu! What the fuck? Pas grave, on fait le X-Tech. Pour repartir sur les bottes de sorcier. Voilà, GG ça, Jace. Ah oh, putain, le talon, il en a profité. Ah ouais. Ah ouais. Comme ça, lui. Le petit Lee Sin, il s'est fait plaisir. Il a combien? 5, 2, 5, pas mal. Moi, je suis mort 4 fois, 3 fois de ma faute, parce que je veux être trop greedy. Et je fais trop de conneries, en fait. On a combien de spell vamp? 37%. C'est très très bon. On va aller faire le raid. Donc là, on commence à faire masse dégâts. Ça va, ils sont safe. Il y a le Drake qui est là. Voilà, appui du Lee Sin. Je vais venir pour le Fiddle et pour le Draven. Opé, Akai, opé. Bon, j'ai déjà assez pour mes bots, ça c'est cool. On va aller récupérer un peu de farm. Bon, le Kassa a pris son bleu. Voilà. J'arrive. Pour contrer le gang de Tek-Tek. Voilà. Plus de la luxe. Ouais, on va aller Drake. Ça va, 6, 4, 5, je m'en sors pas mal, je trouve. Ah non, casse-toi! Putain, le fiddle, je suis deg. Il récupère encore une fois le Drake. Ah, ça m'énerve. Qu'est-ce que je ferais bien? Une petite Lich Bane. On va la jouer vraiment assassin. Parce qu'on a le Renekton qui tank. Ouais, je vais encore faire un item assassin. Après, je vais faire Rando un visage spirituel. Comme ça, là, on est assez tranquille. Là, j'ai commencé vraiment à envoyer des patates. ~15% de CDR, ça va. On s'en sort pas mal. Putain, le Jace fait tellement de dégâts.
Ça, c'est saoulant à cause de ça, on n'a pas eu le Drake, quoi. Deux fois qu'on se fait choper au Drake. Bon, je viens. Si tu t'avances, je te bute. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une tour ici? Ouais. Putain, ce fire tellement OP. En plus, le pire, c'est que j'ai jamais le temps de faire ma zone. C'est ça le problème. J'utilise pas, mais j'ai jamais le temps de la faire. Bon bah, il y a une noire dans le bush. Je crois qu'on va essayer de one shot le fiddle. Oui, ça c'est bon. Bon, j'ai flashé, certes. Mais ah merde, ils ont un... C'est vrai, ils ont un... Ouais, je vais aller un petit peu aider le Kassa parce que, à mon avis, il va essayer de faire le raid. Même pas. Allez, c'est bien parti là, pour la petite Akali Jungle. Il y a tout qui se passe vraiment à la botlane. Ah oh, putain. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Il y a encore le Draven dans les parages. Il n'est pas là. On fait un petit peu de jungle pour se régénérer. Et pour leur piquer. Est-ce que j'y vais? Ah putain! Les loups qui m'ont tapé dessus, ça m'a révélé la zone. Ah, c'était deg. On va partir sur quoi? Sur quoi? Je crois que niveau dégâts, on est assez tranquille, donc on va partir sur un visage spirituel. Quoique, c'est quoi qui m'a fait masse dégâts? Ouais, c'est le Draven. On va partir sur un Randouin. C'est pas mal. Rendre un plus extec, ça peut être sympa niveau slow. Et puis je verrais bien, je partirais peut-être sur une Warmog. Ça pourrait être sympa, je pense. Ah, quoique. Randouin visage speed niveau vita serait pas mal, je serais à 3000 de vita. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Voilà. Voilà. Le petit Lee Sin, il n'en a plus. Je vais aller un petit peu avec le Rennec.
Voilà. On va aller essayer de tuer le Draven. Bah il s'est déjà... Merde, il était là. En fait, le truc, c'est pas vraiment du tanking qu'il me faut, c'est de la vie. Parce que c'est beau d'avoir de la régène, mais si t'as pas de vie, ça ne sert à rien. Voilà. Bon, je prends un peu tous les kills pour le moment, mais c'est pas grave. Allez, go. Allez-y, allez-y. Voilà. N'empêche, j'ai masse régène. On a eu le Drake, ça c'est bien. Défoncer le talon. Oh, c'est le surend! Et c'est la victoire, la petite Akali Jungle. Ça c'est bien, c'était une bonne petite partie, comme je les aime, c'était bien sympa. Ben merci les amis de m'avoir suivi. Je ne sais pas quel sera le prochain champion. Je vais vous le dire, je vais essayer d'en faire pas mal l'un à la suite de l'autre aujourd'hui, comme ça je vous laisse des vidéos pour le week-end. Ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt les amis. Salut à tous!